toi Antoine. Ouais, c'est moi. De la part de Léon, il aime pas qu'on lâche sans prévenir. Alors tu bouges plus une oreille et tu continues comme prévu. C'est clair ? Ne t'avise jamais, j'ai dit jamais, de me faire foubon. C'est moi qui délivre les tickets de sortie. C'est clair ? J'ai pas le temps, mettez-vous là, je vais les garder pour vous. Ça va, t'as l'air stressé? Ça va. Ça va. Ah ouais, débourdé le garçon. Bon, je reviens, tu me commandes une vodka pomme? Regarde. Il faut que je te dise, j'ai une surprise. Pour moi, c'est quoi? Mais non, mais pour toi, une surprise à te présenter. Tu vas voir, il est génial, je l'attends. C'est un homme. Bah oui, très drôle. Bon, tu me laisses 10 minutes, je finis de débarrasser. Tu m'attends. Oh, pardon. Excusez-moi. C'est bizarre. Quoi? Le mec là-bas, j'ai l'impression que je le connais. Mais lequel? Ça y est, je sais. Tu vois, le brun est plutôt beau gosse. Quand je travaillais au stup, on voulait l'arrêter. Ça m'étonne d'ailleurs que ça soit toujours pas fait. Je vois pas, hein. Bah là, le type en bleu. Avec Camille? Ouais. Bah, arrête deux minutes, c'est son nouveau mec. Elle veut absolument me le présenter d'ailleurs. Je te dis que c'est un dealer. Et malgré son petit air inoffensif, c'est vraiment pas un enfant de cœur. Tu plaisantes ou quoi? Je vous présente Antoine. On s'est rencontrés à la fac. Claire, Léa, ma sœur. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bah, on va aller se faire un cinoche tous les deux. Ça vous dit de venir avec nous? Non, non, merci Camille. Et puis de toute façon, un ciné, c'est toujours mieux en amoureux. Hein. Et puis de toute façon, avec Claire, on a tellement de choses à se dire. Ouais. Eh bah, à tout à l'heure alors. On y va? Ouais. Bon, mais au revoir. Au revoir. C'est un cauchemar. Écoute, on va être fixé. Je prends son verre. Viens avec moi. J'y crois pas, il est fiché. Il y a plein de mecs à la fac, il faut qu'elle tombe sur un dealer. Eh ben, il est doué, le mec. 3 ans qu'il fait courir les stups et toujours pas de flag. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Camille, il faut que je lui parle. Mais t'es folle! Tu cherches quoi, là? La mettre en danger, c'est ça? Ouais, t'as raison. Je sais pas quoi faire, là. Je peux pas la laisser dans un truc pareil. J'y crois pas, un dealer.
Claire, je flippe. Si elle se droguait. T'es pas encore couché? Non. Mais je cherche une aspirine, j'ai mal au crâne. Eh ben, elles sont là. En fait, on n'est pas allé au cinéma, on a loupé la séance. On a marché. Il est trop cool. On a vraiment plein de choses à se dire. On a discuté toute la soirée. Tiens, bois ça vite que ça fasse effet. T'es sûre que tu t'emballes pas trop vite? Tu te connais à peine. Léa, je l'adore. Tu sais, je me sens responsable de toi. Tu veux pas me faire confiance un peu? Salut, c'est Claire, laissez-moi un message. Claire, c'est Léa. Tu dors? J'avais envie de parler. Bon, écoute, je t'appelle demain. J'ai bien réfléchi, je vais mettre tout le monde sur le coup. T'es malade, on peut pas faire un truc comme ça? Je peux pas laisser Camille dans une affaire pareille. Mais on peut pas utiliser les moyens de la dose pour des affaires perso, enfin réfléchis. Bon, un petit flag et on le remet au stup. Et bien sûr, tu comptes demander l'autorisation de Plastron. Il est en vacances, il est pas obligé de savoir. Mais on doit lui dire, c'est notre patron, Léa. Tu cherches à nous faire virer ou quoi? T'as pensé aux autres? Claire, il faut que tu sois avec moi, là. Je suis super mal. On se retrouve au bureau. Antoine Kessler, 23 ans. Ce fils de bonne famille est fiché au stup. Son terrain d'action, les facs. Il en change chaque année pour établir une clientèle. Cette fois-ci, c'est la fac d'architecture. Et qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? C'est pas le boulot des stups, ça? La preuve que non. Ils l'ont déjà arrêté plusieurs fois. Ils ont toujours dû le relâcher faute de preuves. Kessler est très prudent et apparemment travaille pour un certain Léon, jamais identifié. Le taf, c'est donc de le prendre en flag et de remonter jusqu'à ce Léon. A priori, si les stups ont pas réussi, je vois pas ce qu'on vient foutre là-dedans. Vous allez le comprendre. L'infiltration dans une fac est délicate. Il y a des étudiants et certains sont mineurs. Le ministère ne veut pas de bavure et veut coincer Léon dans les plus brefs délais. Donc c'est pour nous. Et Plastron est au courant. À ton avis? Donc demain, repérage à la fac d'archi. J'imagine qu'il te faut un étudiant pour une infiltre. Bonne idée. Mais attention, ces dealers sont tous parano. T'inquiète. Ouais. Je trouve ça étrange quand même, moi. Mais bon. Je suis d'accord, Alex. Tu me trouves des plans de la fac? Claire, je veux savoir si t'es avec moi. Tu m'emmerdes, Léa. Tu peux pas savoir à quel point. Oui ou non, mais c'est maintenant. Je vais te dire oui, mais c'est pour Camille. T'es quand même consciente qu'on risque de se retrouver dans une merde noire. En attendant, tu connais quelqu'un au labo? Je viens de savoir si elle est clean. Ok, de nous. Léa! Bah, tu tombes bien, on allait commander des pizzas. T'en veux? Non. Bon, bah, je vais y aller alors. Faut mieux que je pars. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée. À demain. C'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Non mais tu plaisantes. Tu peux pas faire plus désagréable. Mais j'aime pas ton mec. Mais pour qui tu te prends pour juger les gens comme ça? C'est quelqu'un de très attentionné et d'adorable. Super. C'est parce que t'as pas de mec que tu réagis comme ça. T'es jalouse? C'est pas le débat.
Si, justement. Avec toutes tes petites manies, là, j'ai l'impression de vivre avec une vieille fille. Hé, si t'es pas content, tu retournes chez ta mère. Demander ça. Depuis le début de la mission, t'as l'air toute tendue. Non, pas du tout. Bon, allez, vas-y, tu nous préviens dès que tu le vois, ok? Non, pas tendue du tout, hein. Et Claire, je te le répète, si t'es avec moi, c'est à 2000%, ou pas du tout. Désolé pour le retard. Problème perso. Quentin ? Je les repère dans la cafette. J'y vais. Salut, Manu Sorel. Antoine, c'est ça ? On se connaît ? Je suis en troisième année. Nouveau ici. Tu veux quoi ? T'ailles faire ton bise ailleurs. Je prendrai bien mon café tranquille, ok? Écoute, je suis installé ici. A priori, tout va bien. J'ai pas envie qu'on vienne me foutre la merde. Écoute-moi bien, brûleur. Soit je te fais défoncer la gueule maintenant, soit éventuellement tu bosses pour moi si t'as des couilles. Et que comme ça que ça pourra se passer, ok? Et aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Range ton couteau, mec. On va trouver un arrangement. C'est sûr. C'est quoi cette merde? Tu payes combien pour ça? C'est bon. Écoute, tu vas changer de fournisseur. C'est payable tout de suite, 800 euros, et je t'en apporte 10. C'est bon, c'est ferré. 100 euros tout de suite? C'est toi qui vois. Excusez-moi, j'ai courant sur le 404, vous savez pas où aller? Alors, le troisième année? Deuxième étage, au fond de la passerelle à gauche. Merci. Demain à 10h, sur la terrasse de la fac. Bravo, Benoît. Il va vers la sortie. Léa? Oui. Faites gaffe, il est dangereux. Je l'ai pas senti loin, la dame de son couteau. Ok. Je le prends en filature. Ça nous donnera peut-être une idée où il planque sa dos. Ok, je viens avec toi. Eh ouais, j'aime pas les mecs qui ont des couteaux. Merci. Allô ? Léon, c'est Antoine. Qu'est-ce que tu veux ? Juste une question. Manu Sorel, ça te dit quelque chose ? Sorel. C'est qui celui-là ? Ben, il revend à la fac, il est venu me trouver. Antoine, pas d'embrouille, j'aime pas ça. Écoute, j'ai trouvé bizarre. Alors méfie-toi. Non, oh, ok. Ne t'inquiète pas, j'ai une planque introuvable. Attends, c'est l'immeuble de Léa, ça. À mon avis, on devrait se garer là-bas. Et tu vas où? Chez toi. Comment ça, chez moi? Ma sœur m'a foutu dehors. Foutu dehors? Ouais, enfin, on s'est engueulés. Elle supporte pas l'idée que j'ai un mec. Mais ça va s'arranger, tu crois pas? T'inquiète pas, je vais pas m'incruster définitivement chez toi. Bon,
Je finis mon sac et j'arrive. Je t'attends à côté. D'accord. Plastron. Salut mon vieux, c'est Bérard. Bérard. Écoute, je sais que maintenant tu t'occupes des services généraux, mais... Comme tu sais à peu près tout sur tout, puis surtout que tu connais tout le monde. Hein. Ouais. J'ai un petit truc à te demander. J'ai bien l'impression qu'un service de police est en train d'essayer de doubler mon service des stups sur une petite affaire. Tu pourras te renseigner? Bah, dis-moi un peu plus et je vais voir ce que je peux faire. Ah, t'as pris mon nounours. Tu devrais laisser à ta sœur, non? Ça lui ferait de la compagnie. Ouais, si tu veux. Leve-la. Mais c'est Camille. Attends, c'est quoi cette embrouille, là? Léa, pour Camille, t'étais au courant? Oh, je le crois pas. Alex, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est ma petite sœur. Je suppose que Plastron non plus n'est pas au courant. Benoît, tout va bien? Justement, je suis en train de faire un essai. Vous voyez, c'est des lunettes équipées d'une micro-caméra. Je vous le dis, commissaire, votre dealer, on va en faire qu'une bouchée. Quel dealer? Tu sais ce qui me gêne dans tout ça? C'est que tu nous as pas fait confiance. Alex, je suis désolée. Je crois que j'en ai pas assez des mensonges. Moi, je suis obligé d'en faire tous les jours à ma femme. Alors au moins entre nous. Léa, je crois que j'ai fait une grosse bourde là. Il y a Plastron qui veut te voir dans son bureau. J'espère que tu as une bonne raison. Laisse-moi t'expliquer. Alors c'est vrai. C'est pour Camille que j'ai fait ça. Elle sort avec un dealer protégé par un certain Léon et en plus recherché par les stupes. Quand j'ai découvert ça, j'ai flippé. Et tu as mis ton équipe sur l'enquête? Oui. Une enquête que j'aurais commanditée? Oui. Mais merde! Tu sais que tu peux faire sauter la dose sur un truc pareil? Enfin, Léa, on n'existe pas. À part le ministère et le procureur, personne ne sait ce qu'on fait. Bon sang, au moindre faux pas, on saute! Mais écoute-moi... Non, toi, tu m'écoutes! Quand je pense à ce que j'ai dit à Bérard, une enquête sur un dealer par un autre service que les sup, non, je vois pas. Alors, je te dis quoi à Bérard, maintenant? Excuse-moi, je t'ai menti. Mon service, dont tu n'es pas censé connaître l'existence, enquête sur ton dealer, et ce, sans mon aval? Bérard, le patron des sup? Oui, lui-même. Et crois-moi, c'est pas un tendre. J'en sais quelque chose, on est de la même promo. T'as sérieusement empiété sur leur plate-bande. Ça fait un bon bout de temps qu'ils sont sur ce dealer. Ils sont à deux doigts du coup de filet général. En plus, un de mes informateurs vient de m'apprendre que les stups se sont fait piquer une partie d'un stock de cocaïne qu'ils avaient intercepté il y a quelques semaines. Alors crois-moi, ils sont à cran. Mais ça veut dire que Camille va se faire arrêter. Je peux pas laisser faire ça. Écoute, on a pris rendez-vous avec Antoine Kessler, le dealer. Demain, il a rendez-vous avec Benoît pour une transaction. On le prend en flag et on le fait parler. Je t'en prie, c'est pour Camille. T'es mon parrain. Tu peux pas me laisser tomber, là. S'il te plaît. S'il te plaît. Je te donne 48 heures, pas une de plus. Vous coincez sur Antoine, vous remontez jusqu'à Léon. Et ça s'arrête là. On n'a jamais traité cette affaire, compris? Merci. Tu réponds pas? Non, ma sœur. J'ai pas envie de lui parler. Oh, dis donc, t'as pas de cafetière?
Il va falloir en acheter une. Tu prends pas de café le matin? Et réponds, t'en meurs d'envie. Tu sais, je... J'arrive pas à savoir si elle est contente que je vive avec elle ou pas. Non, pas là, non. Pourquoi? Parce que c'est le bordel. Et je veux juste garder un endroit pour moi, rien que pour moi. Ah, d'accord. Bah, dis-le tout de suite si je te dérange. Non. Tu veux pas qu'on sorte? Ça fait une heure que tu ranges et tu me donnes le mal de mer. Allez, viens, je t'emmène au restaurant. Bon, d'accord. Je vais me préparer. Allô? C'est moi. Écoute, j'ai encore rien trouvé sur ton mec. Antoine? T'es pas tout seul? Non, c'est ma copine. Bah, je te rappelle demain, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Je sens que je vais être bien ici. T'es prête? À quoi tu penses? Rien, je pense à rien. Dans cette affaire, c'est toi qui penses depuis le début. Alors permets-moi de pas penser. Où tu vas? Au cas où t'auras oublié, Claire planque depuis des heures. Alors je vais la rejoindre. Ok, vous ne lâchez pas Kessler jusqu'au rendez-vous de demain, d'accord? T'inquiète pas, il fait la gueule, mais ça va lui passer. Et à Parker? Oui. Bonjour, j'ai les résultats d'analyse du cheveu. Et alors? Rien, négatif. Aucune trace de stupéfiant. Je ne savais pas qu'on faisait des enquêtes aux archives. Non, non, c'est pour une cousine qui essaye de savoir si sa fille se drogue. Si vous avez besoin de notre service, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de notre service, n'hésitez pas. Ma photo, toi? Petite coupe, champagne. Non, non, merci. Et vos factures de TVA, elles sont où? Factures de TVA? Ça ne correspond pas. Je peux regarder? Mm-hmm. Je peux vous laisser deux minutes? Oui. Vache. Qu'est-ce qui se passe, Léa? Ça se voit tant que ça. C'est grave. T'as dormi depuis combien de jours? C'est Camille. Elle a quitté l'appartement. Je sais. Elle m'a dit. T'inquiète. C'est normal. Mmh. Mais bon, je veux pas te prendre la tête avec ça. Et en plus, t'es pas tout seul. Plaisante, là. T'es super sympa. Si tu veux, je te la présente. Non, c'est bon. Je vais pas faire d'effort, là. En tout cas, t'as pas perdu de temps, hein. C'est la couleur des cheveux, ça. Toujours un petit fat pour les roses, moi. Le pire, c'est qu'elle répond pas à son téléphone. J'ai laissé 15 messages, elle me rappelle pas. Et comment tu l'as acheté? Ouais, c'est vrai. Mais je le sens pas, son mec. Je me sens si mal depuis qu'elle est partie. Mais t'as tout oublié, toi, ou quoi? Quoi? Bah, attends, tu te souviens pas toutes les conneries qu'on a faites? On est partis pendant deux jours, on a dormi dehors.
Ta mère, elle s'est fait du souci, hein. Elle a même appelé les flics. Mais c'était toi. Attends, je reviens. Vous travaillez là maintenant? On peut dire ça comme ça. Et vous êtes contente, ça va? Écoutez, c'est plutôt lui qu'il faudra le demander. Oh, vous savez, le problème avec lui, c'est que ça défile tellement qu'on a du mal à suivre. Alex, c'est Claudia Schiffer. Je voulais te remercier pour cette longue nuit d'amour. Tu sais que t'es une vraie merveille. À 9h. Oh, j'ai fait une longue nuit, ça faisait longtemps. Ah, ça, je te le confirme. Allô? Mais arrête, Inès. Mais oui, j'ai passé la nuit aux archives. Mais mon ange... Tu veux que je t'invente des histoires de dealer? Que je te dise que je suis un héros qui arrête des criminels? Allô? Allô, Inès? C'est ma femme. Mais parfois, je me dis que c'est trop dur. Que je lui ai laissé mon mariage. C'est pour ça que j'ai du mal à encaisser le mensonge de Léa. Tu sais quoi? Elle a raison, ta femme. Passe les concours. Le voilà. Moins 10, il va pas tarder. Alex, ça va pour toi? Tout va bien. Vous recevez l'image? Ouais, c'est bon. Benoît, Antoine est au bar. Ok. Mais qu'est-ce qu'il attend pour aller sur la terrasse? J'hallucine. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je vois? Camille vient d'arriver. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Alex, vite, fais quelque chose. Sinon, je vais me faire. Tu peux pas, Léa. On a aucune preuve. Calme-toi, Léa. Alors, il vient? Ben, attends. C'est quoi cette enveloppe? Alex! Alex! Il envoie Camille pour dealer à sa place. On intervient. Claire, c'est à toi de jouer. Fais attention. C'est toi, Manu? Ouais. Antoine m'a demandé de te donner ça. Merci. T'es nouvelle ici? Dans quelle année? Ça y est, je viens de quitter la cafette. Il se dirige vers la sortie. Tu veux pas te faire remarquer, tu fais exactement ce que je te dis.
Qu'est-ce que vous voulez? Tais-toi, je suis flic. On est plusieurs autour de toi. Si jamais je te vois mettre les mains dans les poches, je te jure que j'hésite pas. Alex, il revient sur toi. Tu vends de la dope. Bon, attends, je crois qu'il faut lui mettre un petit coup de pression, là. Je peux? Hé, hey, tu réponds, sinon tu vas croupir ici. J'ai rien à dire. Mais t'es fiché, mon vieux. On sait que tu deals. J'y touche plus, bordel! Qui est Léon? Hé, hey, on peut y passer la nuit. Qui est Léon? Vous avez rien contre moi. Ça peut vous coûter très cher. Je crois pas. Il nous menace. On n'en tirera rien. On va le laisser réfléchir. Prends-moi le malin demain. C'est le portable d'Antoine. C'est encore Camille. T'as vérifié les numéros sur son portable? Évidemment. Comme je m'y attendais, rien d'intéressant. À part Camille, sa mère, rien qui peut ressembler à Léon. À demain, Kessler. Bonne nuit. Putain, laissez-moi! Je veux un avocat. Vous m'appelez un avocat maintenant. Antoine, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, on se retrouve chez toi, d'accord? À tout à l'heure. Ma question. Est-ce que vous l'avez arrêté en flag? Non. Je viens de recevoir un appel du procureur. La division des opérations risque de sauter. C'est ça que vous voulez? Alors maintenant, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Vous libérez Kessler et vous laissez les stupes faire leur boulot. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Oui, patron. Bon. Et vous oubliez cette affaire. Salut tout le monde. Bah allez, non, il a pas l'air content, Maxou. On relâche Antoine. Quoi? Et on classe le dossier. C'est vraiment trop con. Encore un appel pour Antoine. Léa. Non. On va rien faire. Juste... Un petit micro. Un petit micro? Un tout petit. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrête tout, je me suis fait serrer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? De quoi tu parles? Mais j'en sais rien, j'ai rien pu voir. Bon, calme-toi. Que je me calme? Mais t'entends ce que je te dis? J'ai les flics au cul.
Je me mets au vert, je peux plus en sortir, j'arrête tout. Je te rappelle quand même que t'as la cam que je t'ai fournie, t'as de l'argent à me rapporter, non? Alors tu récupères tout, et tu me le ramènes, c'est compris? Ne conne pas avec moi. C'est de quoi je suis capable. Tu veux que je te dise? J'en ai plus rien à foutre de tes conneries et de toutes tes menaces. Parce que là, dans les deux cas, je peux pas m'en sortir. Tu te rappelles de Danny? On l'a trouvé dans la Seine. Il a tellement supplié que j'ai failli m'apitoyer. Fais très attention, Antoine. Cette cam-là, il y en a pour un très gros paquet. C'est pas n'importe laquelle. Ah, si tu veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à Danny, tu récupères tout. Et on se retrouvera 2 heures à l'endroit habituel. Mais où, bon sang, où? Et d'ici là, pas d'embrouille. Et merde. Camille, il faut que je te parle. Hey, tu vois pas que je travaille? Viens. Mais Antoine, pour qui tu te prends? Tu disparais toute la nuit et là t'arrives comme ça, l'air de rien. Excuse-moi, je suis désolé. C'est ma mère, elle a eu un accident de voiture. C'est grave? Non, ça va, tout va bien. Je suis passé la nuit à l'hôpital, mais ça va. Écoute, j'ai perdu mon portefeuille. Je suis sûr qu'il est chez ta sœur. On peut y aller? Oui, bien sûr, oui. Tiens, je peux te laisser ça, tu vas te débrouiller seule. Oh, merci, c'est cool. C'est là. Tu travailles pas aujourd'hui? Non, j'ai pris ma journée, j'ai des trucs à faire à la maison. Bon, on va pas te déranger longtemps. T'aurais pas vu un portefeuille? Antoine a perdu le sien. Non, j'ai rien vu. Ok, bon bah je vous laisse chercher, hein. Ouais. Non, mais écoute, va voir dans ta chambre. Moi, je vais regarder ici. Patron, c'est Léa. Il est là. Je t'avais pourtant ordonné. Il est venu chez moi avec Camille. Je vais essayer, mais... Je comprends. Retiens-le le plus possible. J'envoie l'équipe en bas de chez toi. Alors, ce portefeuille? Rien dans la chambre. Ouais, j'ai du mal à regarder chez moi, alors. On y va? Antoine, je voudrais m'excuser pour l'autre fois. J'étais carrément désagréable. Camille, je suis désolée. Donc, je voudrais vous offrir un truc à boire pour me faire pardonner. C'est sympa, mais on va y aller. Faut que j'y aille. Là, tu vas me vexer. Allez, Antoine, juste un verre. Bon, merci Léa pour le café. Je vais y aller. Bah, je viens avec toi. Camille, tu veux pas rester? Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Je reviens vite. À tout à l'heure. Oui, Léa. Antoine et Camille descendent. Ok. Vous commencez la filature, je vous rejoins. À tout. Camille, je veux pas que tu viennes avec moi. Je vais partir et ce sera sans toi. Quoi? Écoute, j'ai pas la tête à ça. Je veux pas m'engager et ça va trop vite pour moi. Mais t'es hallucinant, toi. Il y a 2 minutes, tu me dis que tu m'aimes et maintenant tu m'envoies chier? Je suis pas bien, c'est tout. Je préférerais que tu ailles récupérer tes affaires maintenant, d'accord? Je vais me gêner. Je resterai pas une minute de plus dans ton trou à rats. Putain. Oui, Léa, c'est bon. On commence à le suivre. Tu peux nous rejoindre. Ok.
chien, puis tu prends l'air passer toi-même tes chemises. Si c'est Antoine que vous voulez voir, désolé, il n'est pas là. Je sais, si vous voulez bien voir. Il a un appel. Allô? Écoute bien, espèce de petit con. C'est parce que tu magouilles mais au cas où tu voudrais foutre le camp, je te le conseille pas. Parce que j'ai ta copine. Non! Si tu veux la retrouver, tu viens en parking avec la marchandise et le blé dans une heure. Si t'es pas là, je te garantis que tu la revois pas. Et si t'es suivi par les flics? Touche pas à Camille! Dans une heure. L'enfoiré. T'inquiète pas, Léa. Préparons, on va la sortir de là. Je vais me le faire. Arrête, Léa, ça sert à rien. Calme-toi. Non ! On va faire un petit tour tous les deux. Je veux la voir. T'as tout ? Je veux voir Camille. Elle a rien à voir là-dedans. Le sac d'abord. Je ferai tout ce que tu voudras dès que j'aurai vu Camille. Pour le moment, il y a que ça qui m'importe. Est-ce que tu vois Camille ? Je la vois, elle est à l'arrière. Bérard, le commissaire des stupes. Léon, c'est lui, l'enfant. Voilà. Ça y est, tu l'as bien vu? Allez, on rentre. Mais le seul témoin qui puisse me reconnaître, hein? Vous êtes qui d'abord? Si t'es un flic, identifie-toi. Et fais vite, je te préviens! Vite! Un! Deux! Ah! Qu'est-ce que c'est? Première sommation! Fois que tu me fais un coup pareil, c'est limite si je remonte l'habillé. Mais laisse tomber. Il se cherche des excuses. Il rêve de passer les concours et de finir dans un bureau. En tout cas, merci Alex. Merci à toi. Champagne pour tout le monde. Je vais vous faire un aveu. Ça fait plutôt plaisir que vous ayez coincé Bérard. J'ai jamais pu le sentir. Et la dope qu'Antoine avait, c'est bien celle qui a été volée au stup. Oui, c'est pour ça que Bérard a pris autant de risques pour la récupérer. Si les stupes étaient tombés dessus, ils auraient tout de suite fait le lien avec lui. Et Antoine, qu'est-ce qu'il va devenir? Oh, ça m'étonnerait qu'il évite la détention. Même si au fond, on sait qu'il s'est laissé piéger par Bérard.
Piégé ? Mais pourquoi piégé ? Eh bien, c'était la méthode Bérard. Elle consistait à arrêter les petits trafiquants et puis à les remettre en liberté à condition qu'ils travaillent pour lui. Et Antoine, lui, s'était déjà fait arrêter une fois pour une histoire de vol de voiture. Bérard l'a approché, il lui a fait peur et l'autre s'est laissé convaincre. Voilà, tout simplement. En attendant, félicitations à tous. Santé. Allô ? Oui, laissez-moi 10 minutes, j'arrive. Okay. Léa, félicitations, mais tu ne me refais jamais ça. Tiens. Claire, tiens avec moi, vite. C'est bon, t'as tout classé ? Non, je trouve pas le rapport statistique 97. Léa, il m'arrive un truc de dingue. Bonjour, pardon. Je me suis fait enlever. Mais par qui ? Par un vieux, un copain d'Antoine. Mais t'as prévenu la police ? Non, enfin oui, enfin, je t'explique. Il m'a d'abord bâillonné, après attaché. Il m'a bandé les yeux, je suis restée assise sur une chaise au moins pendant 2 heures et tout ça sans boire et sans manger. C'est atroce. J'appelle la police. Non, attends que je finisse de t'expliquer. Après, je me suis retrouvée dans une voiture, je sais pas où, et j'ai entendu des bruits de lutte et des coups de feu. Mais pourquoi tu souris ? Tu me crois pas ? Mais si, je te crois, mais écoute, ce que tu me racontes là, c'est un film. Tu sais, moi, je suis juste archiviste, hein. Et Antoine dans tout ça ? Bah, figure-toi que c'était un vendeur de dos. Oh ! Ah bah d'accord. Et toi, ça va ? Non. Oh. Bon, Camille, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, tu prends pas mal si je vérifie son casier judiciaire. Oh. Thank you.